Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.1.1. Donc chers amis, nous devons faire tout ce qui est camp Apex. Donc on va aller sur différents camps qu'on a déjà parcouru de part et d'autre. Premièrement pour déjà scanner, deuxièmement pour simplement aussi... j'aimerais bien que... Deuxièmement pour récupérer des drapeaux si on peut ou autre chose. Comme ça on pourra simplement au passage se faire des drapeaux gratuitement. Bon, ça ce n'est qu'une chose parmi tant d'autres, ne vous en inquiétez pas. Hop, oh, c'est joli ça. Alors, statue sans buste, ok, on peut voir que ça monte assez vite. Je fais pas, comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas la traduction de ce que dit Esther. Simplement parce que c'est en fait des phrases qui sont pré-enregistrées qu'elle dit à chaque fois. Alors. Est-ce que je peux descendre? Est-ce qu'il y a seulement quelque chose ici d'intéressant? Non. Bon. Hop. Je peux que je n'ai pas tout en une seule fois, hein, cela dit. Qui va sûrement être le cas d'ailleurs, parti comme c'est. Ok, effectivement. Bon, on va remonter sur le vaisseau alors, c'est pas grave. On va regarder si on n'a pas un autre camp Apex ou ville Apex ou village Apex. Alors, Apex ici. Avian. Ok, dommage. Donc, moi je vais vite fait voir un truc. Alors, je sais que vous m'entendez beaucoup moins quand je suis comme ça, donc faut vraiment que je me tourne pour que le micro capte. Ok, bon. Du coup, je sais sur quelle planète, sur quel type de planète aller le plus ou moins pour trouver Frigid Ocean. Quoique. Non, c'était des moons, d'accord. Voilà. Sur ce genre de planète, nous sommes censés être plus facilement en mesure de trouver des villages Avian. On va essayer de voir si c'est le cas ou pas. Je suis toujours à la recherche sinon d'un Nova Kid pour récupérer un nouveau membre d'équipage, tout simplement, pour le faire. Donc j'essaie de le trouver de manière legit, pas de construire un colon, mais vraiment de le trouver de manière legit le Nova Kid. Ce serait vraiment génial. On a toujours notre Floran avec son masque. Alors lui, j'ai peut-être le garder, le Floran avec le masque. Parce que finalement, il cache son visage, donc je n'ai pas l'impression que c'est un Floran en fait quand je le regarde. C'est ça qui est génial. Ça, c'est un bon Floran. Un bon Floran est un Floran qu'on ne voit pas ou un Floran mort. Voilà, simplement. Soyons honnêtes. Hop. Ok, bon. On descend. Alors maintenant, j'ai un double heal dans le vaisseau, je comprends pas pourquoi. Mais je vais pas m'en plaindre. Honnêtement, je ne vais pas m'en plaindre. J'imagine que c'est mon médecin qui a levelé littéralement. Hop, allons-y. Vous connaissez l'astuce, hein, on va marcher. Ah, tiens, un vendeur humain, en qui plus est. Je vais réussir à parler. Hop. 31, vous avez gagné. Trailblazer, chase piste, aventureur, d'accord, ok. Dommage, t'aurais pu avoir des choses intéressantes. Ok. Au passage, il me faut 48, c'est ça? C'est un monstre, ok, j'avais pas fait gaffe. C'est bizarre, il y avait un truc d'une couleur que je n'en connaissais pas. Ok, là normalement j'ai déjà tout scanné à part le plafond, tiens, c'est rigolo. C'est une chose qu'habituellement je pense à faire pourtant. Ok, la suite. Encore des chercheurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un trône de glace. C'est le trône de comment? Oh merde, comment ça s'appelle dans Frozen? Oh, oh bah je sais plus. Alors là je vais me faire descendre. Je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Dommage. Alors, on grimpe, blabla. Non, c'est bon. Hop.
Voilà, bon, bon, y a pas trop de menaces hein, pour l'instant. Hein. Je fais passer pas comme s'il faisait froid en plus. Hein. Vous voyez, je suis torse poil. Tout va bien. Hein. C'est surfait. Le froid, c'est surfait. Hein. Soyons honnêtes. Bon, je vois pas de quelle race tu es en fait. C'est débile. Ok, et ça, c'est un Snowman Snowglobe. Pas. Ah merde, je crois que je l'avais eu. Honnêtement, je crois que je l'avais eu avec le dernier coup. Arrière, ville créature, ville démon. Et hop les... Oh. Dommage de mourir bêtement comme ça. Le pantalon du Yeti, enfin du Cyclope. On dirait... Ah bah y'a rien dans la tombe, c'est dommage. Hop. Est-ce qu'il a vraiment besoin de pantalon? Ce n'est pas... Oh, ouh. D'accord. Temple souterrain. Bah du coup ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'espère cependant qu'on va quand même trouver ce qu'on cherche. Allez bien, hop c'est bon. Ok. C'est à dire une ville avienne. Pardon, Apex. J'aime pas les camps Apex personnellement. S'il faut qu'on aille dedans, on ira dedans, c'est pas grave. Si c'est sur ça qu'on tombe, on ira. Et vous avez vu à quel point ils sont imposants visuellement et bah au niveau de la map quoi, donc du coup, je préfère les éviter. Et c'est vrai que c'est de ma faute, c'est une nouveauté quelqu'un qui ne m'intéresse pas du tout. En même temps la race Apex ne m'intéresse pas plus que ça maintenant. Oh. Parce que le bâton ce n'est pas mon arme. Ah, je vais devoir creuser la tombe. Hop, 40 shurikens. C'est un gros sac hein, de shurikens. Hein. Ne viens pas, tu sais que tu vas mourir. Hop, voilà. Je l'avais dit. Hein. Oh. T'as pas l'air fin quand même, hein, je veux pas dire. Hein. Hop, ça c'est fait. Hop, on va grimper. Alors maintenant qu'on se le fasse ces grappins. Oh bien, bien ce que t'as fait là. Merde, moi aussi, mais c'est bien ce que j'ai fait aussi moi. Cela dit. Hop. Moi je m'en suis mieux sorti que lui quand même. Alors, comment je vais appréhender cette descente? Toi tu es agressif. Eh ben non. Ah tu t'es envolé genre très très loin, tu m'as pas du tout apprécié le coup du cure-dent là, non. Alors, bonjour petite boule rose. Hop. Un petit peu de riz, je prends. Hop, désolé. Désolé. Désolé, Ben. Hop. Raté. C'est bien que t'allais finir par tenter de m'avoir. Et je te dis, t'as vraiment pas l'air fin. Hein. Hop, voilà, ça c'est fait. C'est rigolo d'attendre de les voir courir. Hop. Allez. Boum. Ah bah lag. Ils sont deux en plus. Oh. Oh, je crois que j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. J'aurais voulu l'envoyer dans le trou, j'y serais jamais arrivé. Mais je l'ai fait. Je fais du basket avec des monstres. Ça doit être un mode. Il faudra que ce soit un mode plus tard. Faire du basket avec les monstres. Wow, t'as l'air vraiment méchant toi. D'ailleurs les monstres, les mini-boss ont complètement disparu, c'est dommage. Ça avait un intérêt, on pouvait les chasser, tout ça, c'était sympa. Ah mais. Vous êtes à peine saoulant vous les mecs. Hop. Voilà. Hop. Ok, hop, ça c'est bon. Et là, ce sont des avians. Bon bah tant pis. On se trompe de planète. Ok, il y en a que deux, de toute façon, cette planète là. Un instant. Ok, re, chers amis, excusez-moi, je vais être un petit peu énervé là. Une fois de plus. Hop.
Ici. Bon, on va voir, essayer de trouver encore un petit camp Apex. Même un camp en fait serait pas plus mal parce qu'au moins on pourrait récupérer les drapeaux. Il y aurait une utilité, vous voyez. Alors pourquoi je peux pas? Oui, parce que je suis pas. Oui, bien sûr. L'interface n'apparaît pas non plus. C'est technique, hein? Non. 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 Bon, je pense que j'aurais pu. Non. Oui, j'ai réussi. Wouhou. Trop le style. Ok. Bon. C'est pas grave. Crac, on va trouver, on va finir par trouver, de toute façon, à un moment ou à un autre. C'est fait pour. Qu'est-ce que j'avais mis ici? D'accord. Je vois que j'ai mis des coffres un petit peu partout. Je suis toujours à la recherche de ce qui m'intéresse en règle générale. Souvent, quand j'ai un truc qu'il faut que je trouve, je le trouve pas. Bref, ce n'est pas grave. C'est temporaire pour ce vaisseau. Allez, retour, recruter. Ah, j'ai pas eu... Attendez, je vais... J'ai vu un truc. Allez, retour, recrute Floran. Merde, c'est pas ça. Dommage. J'ai vu planète de glace, je me suis dit... Ouh là là, ça se trouve, je suis passé à côté. Ok, bon, on va passer à gauche, du coup. On a fait la droite la dernière fois. Oh, un biome minuit. Génial. Non. Access denied. Bah voilà potentiellement quelque chose qui va nous aider. Hop. Oh, je dépasse ces portes. Pas ça non plus, remarque. Hop. Hop. Et on est bon, finalement. Bon. Bah finalement, c'est pas ce que je cherche. Je vais juste passer. Ça, il me semblait que je l'avais pas, effectivement. Voilà. Ok. Do not enter, je l'avais pas non plus. Pourquoi pas. Et les fences, je ne l'avais pas non plus. Ok, ça je les avais, parfait. Eh bah écoutez, on est bon pour cette quête d'Esther. Qu'est-ce qu'elle va nous faire faire? J'imagine après ce sera le donjon en rapport avec du coup les Apex. Mais du coup on va peut-être pas le faire dans cet épisode. On va peut-être plutôt se renseigner sur le truc au trésor à gauche là. Voir ce qu'on n'a pas, ce dont on a besoin. Ça pourrait peut-être être un peu plus intéressant. Hop, d'accord, je peux scanner ces trucs là aussi, il faut que j'y pense. Hop. La porte, j'ai pas envie de la scanner. Hop. Suspense is killing me. D'accord. Go us. Allons-y nous-mêmes. Ok, bon, c'est pas grave. C'est bizarre, il y a une drôle de forme derrière lui. Ok, donc on a tout trouvé, donc là on nous donne la quête. J'ai peur que l'artefact Apex soit retenu dans une mini Knox Stronghold. Ça peut être difficile d'en avoir l'accès, s'il te plaît, fais attention là en bas. Ces mini Knox peuvent être vicieux. D'accord. Nouvelle mission, donc c'est bien ça au final. Ok, cool. J'ai reçu les coordonnées de la mini Knox Stronghold. Utilise le vaisseau du vaisseau pour accéder à l'endroit. D'accord. Nous trouvons un manipulateur module. Ok. Hop. On sait avoir la dalle en plus. Donc par exemple, si je voulais avoir, imaginons ceci. Scorched Core, Cryonic Extract, Venom Sample, Static Cell. Adaptable, MMO, c'est sympa. Sunshine Alphabet, alors ça doit être un. D'accord. Vénus de Pixel, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi, ça a l'air sympa comme objet. C'est vrai, quand on aura fait un, en fait, ça c'est pas dur. Quand on aura fait un, on pourra entièrement débloquer l'armure en question. Donc c'est bien de l'avoir intégré de manière legit, c'est rigolo. Plein de choses. Finalement, que des choses intéressantes, mais. Ok, donc apparemment on a pas tout, donc on va tout débloquer quand même avant. Hop, au niveau du Terramart, il fait toujours les trucs en question, voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas ça qui m'intéresse. Hop, ça par contre je pense j'en ai absolument besoin, ça aussi. Là j'ai tout pris, voilà, c'est ici que je voulais aller récupérer quelques canettes. Voilà. On va prendre une
dizaine. À chaque fois. Ah bah je pouvais pas en prendre une dizaine. Ah bah si, j'ai pu en prendre une dizaine, mais... Hop. Pas de la merde dont j'aurais voulu. Finalement. Et je ne peux plus manger. Donc les piments, je les vire. Le café, non, je ne le vire pas. Je ne suis pas fou. Le piment, je le vire. Hop, parfait. Hop, ça je récupère. Normalement, on en retrouvera une porte classique. Voilà, sans téléporteur, cela dit. On aille sur le téléporteur normal pour retourner sur le vaisseau. Ok, bon. Rien de bien inconnu. Inconnu, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La blague moisie. Bref. Le meilleur ami m'a dit que cette blague était moisie. Vilaine. Ok, je pouvais scanner tout ça. Ça peut être stylé à refaire. Je veux pas dire, mais... Ça peut être grave stylé à refaire. Ah bah finalement elle a ouvert son magasin elle aussi, c'est cool. Frog Furnishing, qu'est-ce qu'il a lui en ce moment? Featured, gothique. Sympa ça, gothique. Tout le côté gothique est vraiment cool. Ok. Les portes, je les avais pas pris, dis donc. Sur moi. Ok, et ok. Tout le reste je l'avais, tout le reste je l'avais, ok. Pas mal, voilà. Ça va faire mal. Bref. Je descends un petit peu, sauf si ça fait mal. Hop, ça je récupère aussi. La flèche, je ne l'ai pas, je la récupère. Big Easy, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, les tables de poker, forcément, je la récupère. Alors là, ça je suis désolé, mais ça je récupère. Big Easy, je l'ai pas. Si c'est bon, je l'ai. Ok. Ok. Bon, on n'a pas eu trop de mal finalement. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok, c'est même véritablement intéressant. Pourquoi pas? Bah, on a tout! Ah non, on a pas ça. Hop, ok. Bah, on va remonter sur le vaisseau, chers amis, puis on va se laisser là pour cet épisode, malheureusement. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez trouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens! Et yoop!